Noack, comment ça va? T'as changé ton pseudo dans le Noack, il me semble, parce qu'avant il y avait plein de petites lettres bizarrement écrites et tout. Tout cas, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup à ceux qui like, les amis, je compte sur vous. À mon avis, il y a un match ce soir, donc à mon avis, on va pas être beaucoup ce soir. Je compte sur vous pour essayer de liker un maximum. Visite New Apart, bah ouais. Alors pas visite du coup, vu que j'ai déjà l'appartement, mais je vais aller, j'y monte là, ouais. J'ai modifié mon pseudonyme, tu vois, j'ai l'œil. Salut Marine, comment tu vas? Salut Joran, merci beaucoup Marine pour le cœur, ça fait plaisir, et merci pour la rose. Salut Lucas. Il y a un match de quoi? Un match de foot, c'est France... France... Je sais plus. Gibraltar. Je crois que c'est ça. Salut Alicia, ça va et toi? Coucou Tarte au Choco, comment ça va? Salut Morgane, c'est bien de te voir que t'as les 100k alors que je te suis depuis les 2k. Merci beaucoup Tam, c'est super gentil. Bah écoute, c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Merci Pierre, merci. Oh là 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 là. Pierre il dit à peine bonjour, il est déjà là à faire masse de donc ou quoi? Ouais ça, comment ça va Pierre? Merci beaucoup pour les 70 roses. Merci énormément. Tu vas. Salut, salut. Jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à minuit, normalement, si tout se passe bien. Normalement, si tout se passe bien, jusqu'à minuit. Salut, Yurt, salut. Comment tu t'appelles? J'arrive pas à voir avec le blanc. Yassi Plouf, comment tu vas? Moi, ça va, en tout cas, c'est gentil de te demander. Coucou, Nathan, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Faut juste que je tousse 2 secondes. Je pense que je fais des allergies, étant donné que j'ai travaillé dans les champs récemment. À mon avis, ça m'a pas épargné du tout. Là où je travaille, il faisait 33 degrés. J'arrive même pas à le dire tellement c'est énorme, 33 degrés qu'il y a à me faire. Hey, Pierre qui serait abonné, merci beaucoup, re-bienvenue. Alors, en vrai, t'as continué. Pierre, re-bienvenue, merci d'être encore là, dans la team Toto, merci beaucoup Pierre. Moi, tu connais déjà... avantages qu'il y a. Me revoilà, merci beaucoup Pierre, ça fait super plaisir. Merci de ta confiance. Marius, merci pour l'abonnement, merci beaucoup les amis. Alors Lucas, tu m'as mis s'il te plaît, mais j'avoue que j'ai pas vu ton message. Est-ce que tu peux renvoyer ton message? Yep, j'ai continué, j'avais pas vu que ça m'avait désabonné. Ah t'inquiète, t'inquiète, ça fait super plaisir en tout cas. Est-ce que tu vas faire le massage crânien? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. 2-0 France contre Gibraltar. Ah, c'est bien Gibraltar, ouais. Oh, il y a match là, je sais, je sais. J'ai fait une story Insta pour dire que j'allais live. Et il y a plein de monde qui m'ont envoyé. Il y a match ce soir, peut-être que je viendrai plus tard. C'est pas sérieux tout ça. Salut, je te trouve cool. Alors, je me suis abonné, mais merci beaucoup. J'espère que tu vas bien et tu as l'air très cool aussi. Zazou, merci pour l'abonnement. Merci beaucoup. Tu m'attends pour le massage crânien. Je sais pas, je lancerai à 22h20, 30, dans ces eaux-là. Coucou Liu, comment tu vas?
Ah oui, c'était ça.
Ça fait plaisir.
Je sais pas, j'ai beaucoup aimé cette vidéo là.
moi sur un de brevet plus court l'après-midi. Comment ça s'est passé? Ça va trop vite les messages, laissez-moi le temps de lire. Comment ça s'est passé? Azer, A-E-Z-R. Je sais pas trop comment on prononce ton pseudo, désolé. Bonsoir, bonsoir Medieval Player. Attendez les amis, est-ce que vous pouvez me donner l'heure s'il vous plaît? Parce qu'à 22h on a la pluie, j'avoue que je sais pas du tout quelle heure il est. Ok, re. Laissez-moi boire un petit coup et après on fait la pluie, les amis. Merci Timéo pour l'abonnement sur Instagram. Ça fait plaisir. Ouais, sur Instagram, en général, je réponds maximum. En gros, si vous m'envoyez un message pendant le live, je réponds après le live ou le lendemain matin. En vrai. Et en général, je réponds sous une heure. Quoi, n'hésitez pas. J'essaye d'être le plus actif. C'est Nat à quand le retour sur Valo, mais qu'est-ce que. Mais je ne fais pas de vidéo sur Valo, je pense que vous me confondez avec quelqu'un. Tu fais des études ou tu travailles? Alors je suis en. Alors je viens de valider ma deuxième année de licence d'information et de communication.
Juste et laisser tranquille.
matière sur tous les toits. Je déteste, c'est nul, c'est pourri. J'aime pas. Dès que je tombe dessus, je swipe. Oh, magie, magie. C'est quand même dingue. C'est ouf. Continue comme ça, merci. De toute façon, il sert à rien. C'est de la méchanceté gratuite, mais c'est ça, Mathéo, c'est évident. Alors non, ça j'ai vu un petit message. Ethan, non, 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 non. Je sais pas de quel numéro, à qui est ce numéro-là, mais c'est non. T'as quel âge, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, ça y est. Depuis lundi. Officiellement depuis lundi. On s'appelle tous Nathan Samu. Et merci Marinix et Jarod.
qui... Enfin, genre, pas moi personnellement, mais la fac a dû fermer pendant quasiment un mois. Donc on a eu tout à distance, ce qui n'était pas évident en vrai. Du coup, le contexte n'était pas simple. Mais ça a été de ouf. Bah, du coup, j'ai validé, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai validé mon année avec 15 et quelques de moyenne. Donc, énorme, je suis trop content. Et donc là, je vais en L3, ouais. Je vais en troisième année de licence. Frutiente, non, j'ai pas tellement envie tout de suite maintenant, mais je te tiens au courant, t'inquiète, quand j'ai envie, on fait ça. Tu étais pas qu'au début, parce que je trouve que ça fait pas mal, mais t'as juste le coup de colle. Ouais, t'as le coup de colle, moi j'avais vraiment eu très mal. Merci beaucoup Marine, merci, merci. Merci pour les bébés renards. C'est pas chiant, c'est, tu te subes quand ça te plaît pas, si, ça peut être chiant. Y a des moments où c'est chiant, parce que c'est des trucs qui m'intéressent pas trop, parfois. Mais plus t'avances... Plus tu découvres que t'aimes ça, et plus c'est cool. Mais plus t'avances et moins t'aimes ça, ça devient vite relou et ça devient même stressant de se dire où est-ce que je vais finir en fait. Merci Luna, merci pour l'écureuil. Mais du coup, moi, j'aime bien. Il y a des moments où c'est relou, mais comme dans tout en fait, comme dans tout. Et mais voilà. Donc à voir la L3, la troisième année, comment ça va se passer. Merci, merci beaucoup pour tes roses, ça fait super plaisir. Merci, merci.
Avec plaisir, Stan, ça fait plaisir. Je suis là pour ça. Waouh! Mais Ina, j'ai failli zapper. J'ai failli. Enfin, pas zapper. J'ai failli pas avoir le trigger. Le don. Merci beaucoup pour l'arbre à diamant. J'étais en train de me dire. Quand. Qui m'a fait le nom tout à l'heure du train? Je ne sais plus. J'ai zappé, ça y est. Ah si, Jarod, je crois. Le train me faisait penser justement à ce don à l'arbre. Il est. Il est trop beau, merde.
super super gentil, merci à toi. T'as des bachots du stream sur Geek, ça serait grave bénef. Juste. Oui, c'est moi, RATP, voilà, c'est Charlotte. Heureusement qu'on n'est pas pote. Kiki, ouais, j'en ai pas encore parlé sur mes lives. Attends 2 secondes, je prends un trigger et je suis à toi. On va prendre ça. Merci, Inès, merci. Oui, alors. Déjà, Kiki. Je trouve déjà que leur truc est très bien, le fait qu'ils rémunèrent les streamers et tout à leur juste valeur finalement. C'est très cool. J'ai peur que ce soit un peu comme quand c'était Mix. Je crois que c'était Mix. La plateforme. Où genre c'est vraiment temporaire de ouf. Genre là, si tu vas sur le. Je pense que si tu vas sur le site Kick, tu regardes les streams. Il n'y a que des personnes à 1, 2 viewers qui sont juste là pour la nouvelle rémunération. Et normal qu'ils fassent ça. Mais en fait, c'est difficile d'atteindre ce que Kick demande en termes de stats pour pouvoir être rémunéré. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est normal aussi, ils peuvent pas donner ça à tout le monde. Mais du coup, j'ai peur que le nombre de personnes qui est sur Kick soit juste des gens qui viennent là pour la thune. Et ils vont vite se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça, du coup ils vont repartir. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, leur truc est pas trop viable. À mon avis, il y a moyen que... Je sais pas, tant mieux si ça fonctionne en vrai. Tant mieux si la plateforme fonctionne. Je pense qu'il y a quand même Twitch ne sera pas détrôné. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, c'est ceux qui veulent. En fait, pour aller sur Kick aujourd'hui, il faudrait déjà avoir une grosse communauté, comme sur Twitch d'ailleurs. Il faudrait avoir une giga grosse communauté déjà, qui serait prêt à venir directement et à te faire une base solide dès le début, tu vois. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je pense honnêtement que je pourrais y être. Mais j'ai peur que ce soit pas assez fiable et que genre j'y consacre beaucoup de temps pour au final pas grand chose, tu vois ce que je veux dire. Donc effectivement, financièrement, à mon avis, c'est hyper intéressant. Mais je sais pas. Bonne soirée au Benny, Benny Jarod, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. J'habite où? J'habite dans le centre et je fais mes études à Paris. Du coup, j'ai mon appart à Paris aussi. Salut, Emric, comment tu vas? Tu viens souvent sur mes lives, Emric, je crois. Je ne suis consommateur que de tes vidéos et de cette adresse émergiste, ok. Bah écoute, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ASMR artistes. Si tu veux te diversifier un petit peu, tu peux. En tout cas, merci, c'est gentil. Tu fais quoi comme étude? Je suis en licence d'information et de communication. Je suis en troisième année. Je passe en troisième année. Tu as déjà trouvé un appartement? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah là, j'y vais demain. J'y vais demain. Je monte en train et puis j'y reste, je sais pas, bah, maximum lundi soir. Je pense que je vais rentrer lundi soir. Je pense que je vais rentrer à l'histoire. Salut, cette friole, comment tu vas? Salut, Stan. Le truc qui est problème, c'est que j'ai pas d'ordinateur. Alors, si j'ai un ordinateur juste là, mais il est dit date de je sais pas quelle année, donc il est vraiment pas du tout puissant. Et je peux pas, sur mon téléphone, lancer deux streams en même temps, c'est pas possible. C'est quoi comme appart que t'as trouvé? C'est un studio. Mais dans Paris, en vrai, dans Paris. C'est un. 15 mètres carrés, je crois. Ce qui va être petit et ce qui va poser des problèmes pour l'ASMR, vous allez voir. On verra en septembre. Je pourrais pas faire un décor aussi bien que jusque-là. Je pense que ça va être cool. Mais ce sera pas aussi bien. Typiquement, ce sera pas ce décor-là, vous allez voir. Ce sera pas du tout à ce niveau-là. C'est plus grand et moins cher et faire une demande HLM. Mais le problème, c'est que les appartements
Massage crânien, ok. Pour ce massage crânien, il va falloir trouver un nombre, le même nombre que moi, entre 1000 et 1100. Ok, entre 1000 et 1100, les amis, vous devez trouver le même nombre que moi. C'est parti, 1000 et 1100. 1000 et 1100. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sur YouTube, la honte. Merci Benoît pour le bébé renard, merci beaucoup.
semaine de garde, parfait ça. Parfait, parfait. Le week-end.
Arrêtez un petit peu de faire les relous là à ceux qui n'ont pas de pièces.
Beaucoup Elise pour le bipou.
Je suis Caro, merci beaucoup. Est-ce que vous avez réussi à tenir jusqu'à la fin? C'était bien Léna qui était cachée. Oui, comment tu vas Léna du coup? Pourquoi t'avais désactivé les commentaires? Alors en fait ça permet d'avoir tout l'espace parce que tu vois là les commentaires prennent une grande partie de l'écran. Et du coup sans les commentaires je peux avoir tout l'espace pour faire le trigger. C'est juste ça. Et après tu vois j'ai fini le trigger donc j'ai réactivé les commentaires. T'as pas une vidéo complète sur ça? Je dois... Ah peut-être que j'ai ça. Peut-être pas sous cette forme là. Il faudrait que tu regardes, j'avoue que je sais plus trop à force...
c'est vrai ça. C'est vrai, Benoît. Parce que Élise. Enfin bref, on va. Hein? Benoît, c'est vrai. Benoît, il soutient de la première heure, lui. Mais ouais, j'ai vu, ben en fait, j'ai vu ça aux infos directement. C'est chaud. Est-ce que genre il a duré longtemps? Parle pas, c'est mieux. C'est bon, c'est pas parce que je bégaye que 5,2. J'y connais rien en séisme. Sur un week-end.
Ça m'entend bien.
messieurs, bonne nuit, Jean et Paris, toi qui merci. Ce soir. On a déjà eu 20 secondes de tsunami. De... Non, j'ai tué ma blague. J'allais dire, on a déjà eu 20 secondes de troll hunter, on va pas faire 15 minutes de tsunami. Dommage, franchement, ça allait être une masterclass. Purée. Bon, bah, dommage. Gros nul bout. Non, je suis dégoûté. Elle allait être trop bien, la blague. Elle allait passer ultra.
mesure. Pourquoi on est monté en spé? C'est vrai qu'on est 681. Bienvenue à tous. Je suis ASMR artiste. Vous savez, les gens qui font des bruits bizarres là. C'est moi. C'est moi. Ok, on est parti. Jusqu'à 37, les amis, ok. Bonne relaxation à tous. Sauf à Élise. Thank you.
C'est de supprimer tous les messages un petit peu relous, les personnes un peu désagréables, tu vois. Et puis d'assister le
Récepteur.
je relaxe les gens. Ceux que je relaxe pas forcément, ben, je suis quand même là à leur parler et les divertir, entre guillemets. On parle, on discute, on est entre nous, on est chill. Il s'expliquera pas. J'ai vu que tu l'as bloqué. Je comprends pas, genre. Ouais, j'ai vu ça, Elise. Ben, t'as bien fait, t'as bien fait. Je comprends pas les gens. Il est quasiment minuit, le mec qui vient sur un live pour péter les. Toujours chill. Ben, en tout cas, j'essaye de vous changer les idées, de vous détendre. Certains, j'arrive à les endormir. J'essaye, je tente des trucs. L'objectif, c'est aussi de discuter. C'est le but des lives. Je sais pas. JLS, merci pour l'abonnement. Bienvenue à toi. Fallait laisser répondre. Oui, mais non. Genre, peut-être qu'il aurait juste pas répondu et il aurait continué à faire. Ses débilités. C'est un gamin, il profite du week-end pour être toxique. Ouais, sans doute. Il se serait fait allumer s'il a répondu. Mais le truc, c'est que, en fait, je veux bien débattre sur des sujets, mais il y a des trucs comme ça où, genre, en mode.